Oh, heureusement que j'ai eu une guenon après. J'ai pas parlé de ma guenon. Une guenon. Mais une guenon, mais qu'est-ce qu'elle était conne. Mais on riait avec ma fille, on riait. On l'avait confectionné des petites chemises de nuit en coton rose, avec le bonnet assorti, avec les poils qui dépassaient, on aurait dit un travesti du Bois de Boulogne. On riait, on riait. Et puis un jour, je l'amène en promenade, je la fais monter dans la Mercedes. Et puis, devant, passons le zoo de Vincennes, je sais pas ce qui se passe, si c'est l'odeur du mal ou je sais pas ce qui se passe, elle me saute sur la tête, elle m'attrape par les cheveux, parce que ça a des mains comme animal, ça vous comprenez? Elle m'agrippe par les cheveux, j'avais les cheveux raides, comme la justice, impossible de la déloger parce que ça a des mains, ça. Au feu rouge, tout le monde me regardait. Et alors quoi? Vous avez jamais vu une Mercedes? Oh...